Dans ce il y a beaucoup de nourriture et en nourriture et la dinde est pour Noël et il est très délicieux et oui, il est très bon. Ah oui, je ne sais pas d'accord parce que dans l'hiver il y a le Noël, mais dans l'été il y a les activités aussi que les nourritures plus bon. Et en été il fait très bon et tu peux faire le barbecue, le pique-nique. Et en hiver il fait très froid et tu as besoin de habiller beaucoup de vêtements. Tu ne peux pas faire les activités très bon. Et aussi, en dans tu dis les nourritures très bon en hiver. Mais en été, je pense qu'il y a des nourritures très bonnes aussi. Et en été, tu peux manger des nourritures chaudes et froides. Et des nourritures froides très bonnes, par exemple, la glace au chocolat. Ou, oui. Mais en hiver, il fait très froid. Et tu as besoin de manger des nourritures chaudes. Oui. Oh, et ce n'est pas tout. Les fruits et les légumes sont plus fraîches que l'hiver parce que dans l'hiver, les légumes et les fruits n'ont pas très fraîche. Oui. Je n'ai pas d'accord parce que dans l'hiver, tu ne manges seul la nourriture chaude parce que il y a de la eggnog. Et le eggnog est froid aussi. Oui. C'est le eggnog. Eggnog est un poisson d'orange. Avec le lait et avec les œufs. Il est le eggnog est sucré aussi. Ah oui, j'ai mis le mot froid. Léo. Oui, merci. Je n'ai pas d'accord, un endroit, parce que l'eggnog... Ok, les endroits étaient avec... Bonjour, je m'appelle Nathalie, et je préfère l'hiver, et je représente les endroits d'hiver. En primaire, pour les vacances, à l'hiver, on peut voyager au niveau très simple et beau, parce qu'il y a beaucoup de neige. Et on peut skier aux montagnes comme les Alpes, en France, Suisse, Italie ou les montagnes dans le Canada. Et aussi, il y a beaucoup d'autres lieux aussi, comme le Canada et dans quelques États dans les États-Unis qui ont eu lieu. Merci. En Australie, il y a plus de tourisme l'été que l'hiver. C'est vrai en Australie, il y a plus de tourisme l'été que l'hiver. C'est vrai en Paris, des États-Unis et les chutes de Niagara, etc. Pourquoi tu penses? Parce que beaucoup de personnes préfèrent les plages et l'été fabuleux et il y a plus de plages et l'été dans le pays avec beaucoup d'été, par exemple, Bermuda, Tamale, Hawaii, etc. Le pays a l'été que l'hiver et je pense qu'il y a envie de aimer ça. Oui, et aussi, il y a beaucoup de pays avec une saison d'été, juste une saison. Alors, tu peux aller dans un pays
c'est très différent et intéressant et spécial avec la neige. Et où tu vas avec la neige, c'est plus joli. Aussi, la neige sur les monuments sont plus belles aussi. Et aussi, dans l'hiver, quel pays tu vas? Il y a beaucoup de choses d'hiver que tu peux acheter. Comment on l'appelle? Comment le père le voit plus de neige? Les pays avec quel pays avoir quel pays avec il y a beaucoup de pays comme Canada, France, like, par exemple, nous pouvons habiter dans Bangkok, mais dans Bangkok, il y a été et il n'y a pas l'hiver. Alors, tu peux aller dans d'autres pays avec l'hiver. C'est différent et bon. En hiver, on se sent très douillet quand on est dedans parce qu'il fait froid dehors et il fait bon dedans. Et aussi, c'est pas toutes les saisons. Oh, pardon. Et aussi, on peut se sentir beaucoup de bonheur parce qu'il y a des fêtes pendant l'hiver, comme le Noël et la nouvelle année. Et la plupart des gens vont passer le temps pendant les fêtes avec leur famille et copains. Donc, on se sent beaucoup de joie. Ok. Mais on est tu peux sentir des barbecues et parce que l'hiver est froid, on est souvent malade. Et à cause de ça, on ne peut pas sentir dehors. Mais si on est malade, il y a de neige, de la neige encore, et la neige... La neige est une belle vue, et une belle vue rend les gens à sentir contents et sereines. Mais aussi en hiver, tu ne peux pas toucher rien, parce que tu as besoin de porter des gants. Et avec des gants, tu ne peux pas toucher rien, parce que la matériel. Ça sort tout. Et en hiver, quand tu vois le chaud, tu peux brûler ta langue. Si ça prend le sol, ça réagit ton temps que tu as. Merci. Merci. Oui. Alors, on va laisser les juges délibérer pendant quelques minutes. Merci, vous avez très bien travaillé, vous aviez de bons arguments. Je rigole parce qu'il y a un petit problème de compréhension. Il y a une différence entre sentir, je sens, touche, je goûte, et se sentir, moi je me sens bien, je me sens mal. Parce que vous avez quand même réussi à discuter ensemble. Ok. Alors.